I'm going in for murder. Oh, pay attention, Mr. Officer. Never gonna catch me, you're never gonna catch me. No, 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 no. You are gonna waste your time. You are gonna waste your time. Your time. Bonjour madame, ah, je suis nouveau ici dans la région, je viens d'acheter un truc à une grande ferme. Vous faites une petite pression, mettez-moi une Jupiler s'il vous plaît. Bonjour mademoiselle, je m'appelle le Valaisan. Oui, je suis nouveau dans la région, eh ben, c'est sympa ici. C'est ouvert toute l'année ou bien au printemps seulement? J'ose vous demander votre prénom. Ah, Martin. Et vous, mademoiselle? Ah, Sophie. Ah, bah c'est bien, joli t-shirt hein, en tout cas. Bah oui, j'ai acheté un grand domaine là, bah il faudra venir. Hein. Alors j'ai pas beaucoup de foin dans la grange, mais il faudra venir me retrouver hein, bientôt. Merci pour la pression, combien je vous dois. Bah non, je suis pressé parce que je suis venu boire un petit coup là, juste en attendant que... Le garage à côté agricole ouvre ses portes pour que je puisse aller chercher mon matériel. On va se revoir, non? Allez, moi je vous dis au revoir. On va se revoir, hein, je vais passer souvent, vous êtes souvent là, non? Ah ouais, ah, d'accord, ok. Bon, ben au revoir, puis peut-être à demain. Bonjour. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, comme vous avez pu voir, premier épisode de saison valaisanne. Hein, moi, j'ai été boire du temps que j'étais à la piscine ici, du temps d'aller voir le matos. Donc, même map au Valais. Au Valais. Ouais, ça commence bien. Hein. C'est un petit panneau qui est par terre là. On va le remettre là, hein. On va être gentil avec la commune. Donc, Hauts-de-France, hein, comme sur la série de live avec la Farming Family que je salue au complet. En tout cas, merci pour les retours du live de ce matin dimanche. Et comme promis, eh ben, je vais faire une série avec le mode saison sur la même map. Alors, j'espère que vous étiez nombreux. En tout cas, merci pour les retours sur la map russe. En ce qui concerne la map russe, j'ai une bonne nouvelle. Mon petit Nico m'a dit que c'était bon la traduction. Vous savez, je vous en ai parlé que j'allais peut-être voyager en Russie, aller sur une autre map. La traduction est faite, les fabriques fonctionnent. Je sais pas quand, peut-être cette semaine, je sais pas encore. Alors peut-être cette semaine, il y aura un peu plus sur ma petite Valaisie et sur saison valaisanne. Du temps, parce que je veux pas trop avancer au niveau de la map russe si je change. Donc voilà, donc ça sera juste une. Hein, on va, vous verrez, je reste en Russie, mais on change. Voilà, aujourd'hui, ben, je vais vous montrer le matos. Alors, j'ai mis, je crois, à 18 jours. J'ai mis, ouais, à 18 jours seulement. J'ai les champs, ben, la ferme était, j'ai vendu tout le matos qu'on a au début, ce qui a fait que j'ai pu acheter les champs qui est un peu autour de la ferme avec quelques-uns qui sont un peu éparpillés. Hein.
On a de la réserve, bien sûr. Ici, normalement, qu'on pourra, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent, mais on voit que j'ai quand même pas mal de réserves. Ouais, le reste, il n'y a pas. Donc, nous, on va commencer un peu. Peut-être qu'on achètera peut-être le pâturage, je ne sais pas. Pour l'instant, eh ben, il faut aller travailler les champs. Et qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai un gros steer ici. Bon, il a travaillé un peu. J'avais loué la charrue, comme ça, au moins, vu que c'est périodique, on relouera une si j'achète un autre champ. Mais pour le moment, pas. Hein, j'ai que 30 000 euros. On fera peut-être un peu des transports pour aller vendre. Il faudra regarder les prix. J'ai acheté un petit deux, ce qui fera plaisir à mon petit Nico. C'est l'agrotion 620 hein, avec au cul un épandeur qui fait hein, c'est le Vicon qui fait la chaux et l'engrais, donc ça va bien aller, j'ai pas trop dépensé. Et, derrière ici il y a la mopu deux essieux, comme ça on pourra faire les transports pour vendre si jamais. Et ici un déchaumeur parce qu'il faut aller déchaumer les champs que j'ai labourés. Mais avant, on va ramener ce matos un peu à la ferme, comme ça on regardera à la ferme ce que j'ai fait. On va monter dans le petit dots ici qui est assez fabuleux, ce petit dots. Regardez ça. Alors j'ai mis une grosse masse. Alors c'est peut-être un peu gros pour aller mettre de la chaux, mais pour l'instant on verra, à moins que j'achète un petit tracteur de ferme. Mais on verra ça plus tard quand j'aurai vendu les choses. On va mettre les gyros, on va se mettre en vue intérieure, puis on va aller à la ferme. Ça, je vous fais un peu visiter. Donc c'est les débuts, hein. Il faut préparer les choses, pour l'instant peut-être pas d'animaux, on va le laisser passer lui. Oh, il a failli lui faire passer sous les roues lui, hein. Il va bien ce petit dot, les cloches qui sonnent là dans les oreilles. Donc les champs, oui, on ira peut-être en fin de vidéo mettre un peu, préparer un champ qu'on puisse semer, parce que je vous montrais dans le mode saison, on peut déjà commencer à semer certaines choses. On verra. J'y ai pas encore acheté. C'est pour ça de semoir. Donc il faudra bien un semoir pour commencer à semer, faire les premiers semis. Mais il faudra sûrement aller vendre. Vendre un peu des réserves de bah, des grains de pour vraiment. Alors la chaux. Où c'est que c'est la chaux? Est-ce que c'est là la chaux? Non, ça c'est pour faire le stock. La chaux est là-bas de côté, c'est pour ça que je vais le mettre là-bas, ça. Alors, je sais pas s'il sera assez puissant pour passer le... Sûrement, je pense qu'il est assez puissant pour passer le déchaumeur. Voilà, la chaux est là-bas. Normalement, ici, voilà. Donc, on va poser ça ici, dans le petit hangar. Et puis, on le reprendra après. Parce que je vais aller chercher le déchaumeur avec. Hop, voilà. Allez, c'est reparti au concessionnaire pour aller chercher ce matos. Petite vidéo, on verra combien de temps on fera. Je sais plus par où je suis sorti. Je suis sorti par là. C'est dur à se repérer avec toutes ces sorties, mais c'est cela. Voilà. Vous voyez que les champs sont tout labourés. J'ai dit comme ça, je vous épargne ça. Mais on va préparer. Alors, je pense qu'on va vendre assez rapidement des grains pour. On verra le prix en fin de vidéo pour pouvoir acheter un semoir pour commencer les semis assez rapidement. Donc, vu que j'ai 30 000 euros, je pense qu'il faut. À moins que un semoir, il faudra regarder les prix. On va regarder ça après. Donc, vous avez vu que j'ai rencontré des personnes à la piscine, bien sympathiques. Hein. En tout cas, sont bien sympathiques. Je retournerai. Ne vous inquiétez pas, je vais y retourner, ça c'est sûr. En tout cas, merci pour les retours du live de ce matin. Ça fait plaisir. Hein. On était quatre fistons, quoi. Ouais, quatre. Donc, trois fistons de la Farming Family. Oups. Alors, ça c'est... un des chômeurs que vous retrouvez sur le site de Stervio. J'ai été le chercher là-bas. Et je voulais faire un peu, au lieu de passer un cultivateur qu'on rachètera, mais quand on aura bah, quand on aura commencé un peu les moissons, on n'en est pas là pour le moment. Comme dirait Nico, bonne chance. C'est clair que... Mais je voulais revenir, en tout cas vous étiez quelques-uns à me dire oui, ça serait bien. Je voulais revenir au niveau des saisons.
Et puis vu que, comme je l'ai dit dans la vidéo des plaines russes, il n'y a pas vraiment de map qui me plaisait. Et celle-là, elle est quand même sympa. Elle se prêtera bien à ce que je veux faire. Alors, ça vous a pas dérangé, en tout cas, pour certains. Bon, il n'y a pas eu 40 000 commentaires non plus sur ça. Donc, automatiquement, ben, ça plaira à certains, peut-être pas à d'autres, qu'on est sur la même map que les lives de la famille. Hein. Voilà. Tant pis. Hein, je vais dire, je fais un peu aussi. J'ai pas vous fait participer des fois. Et là, c'est sympa. Voilà. Allez, ça, on va le laisser là parce que je vais après aller passer un peu de chaud là sur au moins des champs qui est là en fin de vidéo. Mais avant, on va aller chercher. Je vais couper ça. Couper le moteur. On va sauter dans le styre pour amener la benne qui est là. Et comme ça, on va mettre les gyros. Un gros styre là. Ben, il fallait quand même un gros tracteur parce que vu qu'il y a des champs qui sont quand même assez vallonnés. Donc il fallait quand même de la puissance. Alors c'est clair qu'il a coûté, mais bon, vu qu'avec la vente de tout le matériel, donc, le matos qu'il y avait à la ferme, et vous verrez que je vais vous montrer après un peu, bon la ferme c'est la même, hein, mais j'ai modifié un truc après le live de ce matin, j'ai modifié un truc parce que c'est au sujet de ces entrepôts à balles. J'ai dit bon bah je vais les enlever, je vais vous montrer ce que j'ai placé. S'il avance, lui là devant, on tourne là. Il faudra que je le lave un peu ce stire. Ça change un peu. Alors un masseil, il y en aura. C'est clair qu'il y a encore plein de matos, mais on achètera petit à petit. Ça, on va aller. J'aurais dû aller dans l'autre sens parce que le silo est là-bas. Je sais plus où il est. Je sais plus où il est ce silo. Ici. Voilà. Mais bon, je vais pas la laisser là-dedans parce que vu qu'on. Ah, c'est limite, hein, la deux essieux ici dedans. On va la laisser par là. La deux essieux, comme ça. Ça ira très bien. Et après, on va faire un petit tour. Où je vois rien ce que je fais quand je recule. Là, il y a des champs que je vais choper le poteau. Ça, c'est sûr. On va se mettre en vue extérieure. Ça ira mieux. Hop, voilà, regardez. Pour l'instant, hein, peut-être il y aura une Dolly, hein, une Rudolph, comme après on verra bien hein, quand on arrivera au moment des moissons. On va couper là, on va le laisser là. Et nous, on va descendre, on va aller un peu voyager par là-bas. C'est pas par là-bas, c'est par là-bas. Donc oui, ces machins à balles, on a vu que c'était assez compliqué ce matin pour sortir des balles. Alors je me suis dit, ben, on va revenir à la méthode ancienne que je... pour un moment, on n'est pas ni faire de la paille, ni faire du foin, ni de l'herbe, peut-être un peu plus tard. J'ai mis ce grand ouvert comme ça, que là, on a quoi faire. Hein. Alors c'est vrai que là, j'ai pas pu enlever cette paille parce qu'il faut aller dans Editor. Mais bon, ça gêne pas, c'est un détail. Un grand, là, je pense qu'on pourra ranger un peu aussi du matos, à la limite, des outils. Et puis, j'en ai mis un ici, à la limite, ici, pour mettre, les moissonneuses. Après, on verra ce qui arrivera petit à petit. Et ici, bah, pour faire un peu de stock patates, betteraves, carottes, à la limite, il faudrait presque en replacer un ici au milieu, parce que vu qu'il y a des oignons et des carottes. Mais bon, vu qu'on doit les mettre en sac, c'est comme ça. Vous verrez ça dans le cours de la série. Hein. Je sais qu'on doit mettre en palox les oignons et puis en sac plutôt même, les carottes, tout ça. Voilà. Donc, nous, on va sauter là-dedans. On va aller crocher le petit Vicon. Et puis, c'est vrai qu'après, peut-être, j'aurai un petit tracteur pour faire des petits travaux de vie, de ferme. Et puis peut-être un télescope, mais bon, pour l'instant, ça coûte de l'argent. Et nous, déjà, là, ça va nous coûter un peu d'argent. C'est d'aller chercher de la chaux. La chaux, elle est là, normalement. Voilà. Et on va aller préparer un champ et on regardera après. Est-ce qu'avec ce que j'ai des... Quand j'aurai mis la chaux, comme ça, je verrai bien. Hein. Je verrai bien. Est-ce que je suis dessus?
Ah, ça remplit. On voit pas le jeu. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Combien? Ah, ça va encore, ça va encore. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va aller faire le champ 11 et 20, qui est juste là. Ça, il sera prêt. Et on passera le déchaumeur. Voilà, regardez, les deux champs sont ici. On va se mettre en vue extérieure. Moi, j'aime bien. On va commencer par là. Hop. C'est parti, mon kiki. Alors, ce qui est bien avec ce Vicon, ben, ça descend hein, la chaux, mais pas si. Hop. Voilà. Et j'ai tous les champs à faire comme ça, mais ça, je vais faire deux champs comme ça, on peut préparer au moins, puis faire petit à petit. C'est clair que au début, ben, vous allez voir beaucoup des travaux de champs. Hein, parce qu'il faut tout préparer ça. Alors, j'ai pas, on regardera après le tableau du mode saison pour voir les températures, ce que je peux mettre pour le moment. Bon, je crois normalement il y a tout ce qui est carottes, oignons, betteraves, patates, tout ça on peut mettre. Je crois qu'il y a le blé et l'orge, mais on regardera tout à l'heure. Comme ça, vous voyez qu'avec même un Vicon là, j'achèterai plus. Je voulais pas acheter trop gros le brun là, mais pour le moment, ce qui coûtait plus cher. Donc on achètera plus gros parce que je préfère faire des voyages puis pour le moment économiser de l'argent. Vous voyez que là il faut que j'aille remplir. J'ai même pas réussi à faire tout le champ. C'est pas bien grave, hein. On va faire un peu les trajets. Pour le moment on est juste à côté, ça va quoi. Où c'est que c'est? C'est le tout, c'est ici. C'est de se repérer dans la ferme. Bon, avec l'habitude qu'on est en live sur la même map avec les fissons, ça fait que on se repère assez rapidement. Voilà, donc on va faire ce champ, hein. Je pense qu'on va faire que ce champ pour le moment. Moi je vous ferai de mon côté un peu les autres champs, hein. On va pas, je vais pas vous montrer dans chaque épisode la chaux. On va peut-être passer après pour voir s'il est assez puissant celui-là, de passer pour aller faire le déchaumeur, puis on regardera le prix, on regardera les saisons. Et comme j'ai dit, je veux pas faire un grand épisode pour ce début de série. Donc j'espère que là je vais en voir assez. Ah, il va bien, hein, puis il se prête, je trouve que ça fait un joli ensemble. Et en plus de ça, et eh ben sur la map il va bien, il est pas trop gros. C'est pas le 7 ni le tout gros série 9. Mais bon, on verra, pas besoin des champs ne sont pas immenses. Alors aussi, il y en a certains qui sont immenses. Ce que j'ai un peu peur, il faudrait que j'achète une remorque, vous savez, avec une buse pour mettre de la chaux dedans. Parce que quand je vais aller, où il y a des big bags, parce que quand je vais aller un peu à mes champs, j'en ai deux qui sont un peu plus éloignés. J'ai pas envie de faire les trajets avec la chaux, surtout qu'ils sont un peu plus gros comme champs. Donc automatiquement, ben, il fallait une réserve à côté de moi. Ça c'est pas bien. Ah, ce qu'on va faire, on va aller poser ça là-bas, on va prendre le déchaumeur, on va faire déjà ce champ, et comme ça après on regardera. J'ai failli me planter là. Allez, on va remettre ça là, on va commencer, et on regardera plus tard tout ce qui est mode saison. Ce sera rapide. Peut-être voir les prix des semoirs aussi. Voilà. Alors, première fois que j'utilise ce déchaumeur, on verra. Normalement, il doit bien aller. Je sais plus combien. Combien il fait de largeur. Je sais plus. Je ne sais plus. Alors, on va aller commencer là-bas au bout. Allez, on va le déplier. Ah, il n'est pas bien large, je crois qu'il fait 5 mètres. Je suis pas sûr. C'est parti, mon kiki. Regardez comme ça serait bien. Il a assez de puissance. Je suis content. Donc, pour l'instant, que deux tracteurs. Mais bon, c'est un peu le but de la série, que je voudrais pas faire. Pas du réalisme, mais essayer de gérer l'argent,
de pas pour le moment. Après, on a toujours l'emprunt, si jamais. Mais vu qu'on a ces réserves, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée. J'ai dit, oh, il y a quand même pas mal de réserves par rapport à certaines maps. Il a bien géré, il a mis quand même pas mal. Et ça n'a pas disparu, quand des fois, souvent, quand certaines maps, vous mettez le mode saison et puis ça disparaît, les réserves. C'est seulement si vous n'avez pas le mode saison qu'il y a. Et là, c'est bien. Et là, c'est pas mal. Il y a un arbre un peu... Et dans le champ, là, heureusement qu'il n'est pas en collision. Comme ça, ce champ, eh ben, déjà un qui sera prêt. Oh, il y a la boue là. Ah ouais, il y a de la boue là. Oups. Regardez comme ça se va. C'est nickel. En tout cas, j'espère que cette série vous plaira. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux nouveaux arrivants sur la chaîne, les nouveaux abonnés. J'irai, bien sûr, vu qu'on est dimanche, aussi regarder les nouveaux venus qui attendent à être acceptés sur mon site. Donc, j'irai voir ça. Comme ça, maintenant, j'ai un peu plus de temps, vu qu'on est confiné. On a un peu plus de temps pour gérer tout ça. Et je pense que là, alors, l'épisode fera peut-être un peu plus longtemps. Vu que j'ai été boire l'apéro en attendant qu'il ouvre le garage agricole, le concessionnaire. J'ai été boire une petite Jupiler. Vous avez pu le voir là. Me faire un peu des connaissances. Vu que je suis nouveau par là. Oups. Ah, il va bien aller. Puis Gopher peut peut-être pouvoir... J'achèterai quand même pour faire du rallye un cultivateur. Mais bon, on n'en est pas là, hein. On n'est pas aux moissons, ça c'est sûr. Mais bon, en faisant ça, ben, ça fait déjà un traitement normalement. Et il s'en sort bien ce petit deut. C'est pas mal du tout. Alors, j'espère que le son sera bien, que tout est heureux, et que cette série vous plaira. En tout cas, bon, de toute façon, je ne fais pas de soucis avec mes fidèles abonnés. Voilà, regardez. Ah, j'ai les loupés là. Ce qu'on va faire, on va peut-être s'arrêter là. Moi, je finirai un peu plus tard. On va quand même aller voir ça. Je ne vais pas faire une heure de vidéo non plus. On fera des choses peut-être plus intéressantes la prochaine fois. Alors, comme je l'ai dit, peut-être que il y aura des épisodes sur ma petite Valaisie et saison valaisanne cette semaine, parce que vu comme je vais peut-être changer, alors je sais pas. Hein. Peut-être qu'en fin de semaine, il y aura quand même encore un épisode de les plaines russes, qui va de toute façon rester ce nom-là. Hein. C'est juste le concept qui va changer, quoi. Pas le concept, mais la map. Et vous verrez, c'est très intéressant, je ne veux pas vous en parler maintenant. Mais vous verrez ça. Et ça va être sympa. Qui c'est qui m'a dit? J'ai vu des commentaires, hein, il m'a parlé de culture et production. Je sais qu'elle n'était pas fuite comme map, c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller là-dessus. On l'avait testé, je crois, avec la family. Mais c'est pas fuite. Hein. Même en solo, je trouve qu'elle n'est pas optimisée. Mais je critique pas, hein, c'est une belle map, on a eu joué, mais même déjà sur 17, on avait, quand on était en multi, on avait beaucoup de coups de lag, c'était des fois impossible à jouer, donc voilà, c'est pour ça, et puis bon, maintenant je vais plus, comme je l'ai dit dans cette semaine, hier, je vais pas changer de map, hein. Ce qui m'intéresse c'est la Overman, il y a la B4 qui va bientôt sortir, celle-ci. Et puis la map russe, voilà. Et c'est vrai que celle-là, avec ses fabrications, c'est pas mal. Ça change un peu. On aura aussi de la fabrication sur la map russe. Vous verrez. Voilà, ce que je vais faire, je vais me mettre là-bas au bout. On va aller juste avant de se quitter, voir les choses. On va déjà descendre ça. On va couper le moteur. On va déjà aller voir combien coûterait un petit semoule. Quoi, les prix des semoirs. Alors, les semoirs, j'ai celui-là, 42 000. Par contre, vous voyez, il y a celui-là, le seul qui avec ça ferait 25 000. C'est quand même moins cher. Après, j'ai celui-là qui est à 1 200 euros. Ouais, alors, le prix n'est pas vraiment
de Banana Joe Modding. Il n'est pas, mais bon, à la limite, c'est pas tellement réaliste au niveau de du prix, je trouve, à moins qu'il ait d'occasion, peut-être. Puis au niveau planteuse, on aura peut-être celui-là qui est à 26 000. Et qu'on voit qu'on peut mettre un peu de tout. Je pense qu'on peut faire les carottes aussi. Donc voilà. Parce qu'autrement, je pense qu'autrement, il faut prendre ça. Non, ouais, carottes, oignons. Ou bien prendre ça, 38 000. Ouais, il est quand même moins cher le Lemken. Mais bon, celui-là, j'aime bien. On verra. De toute façon, il faudra aller vendre un peu des cultures. On va regarder le déjà juste là. On voit que je peux mettre le blé et l'orge. Tout ça, on peut pas pour le moment. Vous voyez, je vous ai dit des bêtises. Je pensais que les patates et les betteraves, on pouvait. Mais on peut le sorgho, les carottes, les oignons, le seigle. Spiel, c'est l'épeautre, le tabac et le triticale. Donc, c'est déjà pas mal. Après, j'ai pas 40 millions de champs non plus. Et puis, en ce qui concerne les prix de vente, si on regarde le tournesol, on voit que ça monte à 1400, il y a 1511. Le colza, bref, il n'est pas terrible. Bon, ça, on oublie. Ça, on va regarder, gérer, peut-être mettre une fabrication en route déjà. Peut-être ça rapportera de faire du pain. Ça, c'est à voir aussi. Et le soja, qu'on a pas mal, hein, il y en a 21 000. Il y a le tournesol qui est pas mal aussi, 24 000. Et on voit que ça monte les prix. Voilà. Donc, si on regarde, juste aller voir quelque chose encore avant de se quitter, c'était le pain, là. Il faudra regarder l'usine, ce qu'il faut. J'ai peut-être rêvé qu'il y avait du pain. Normalement, il n'y avait pas du pain. Il me semblait que j'avais vu ça. J'ai peut-être rêvé. J'ai peut-être rêvé. Il y a le compost. Ouais, alors là il y a des logos que je sais pas ce que c'est de France, alors il faudrait voir. On va juste encore regarder ça avant de se quitter, on va faire ça, tac. Et ouais, betterave, tatatac, mélange, potatoes, bon ça. Il y a le compost, mais bon ça aussi. Nourriture à cochon, production de semences, la viande. Bon il faudrait prendre des cochons, vous voyez. Parce que ça, ou puis des moutons, parce que ça, palette de viande de porc, choisir la caméra. Il faudra encore aller, il faut mettre des cochons, et on a les palettes de cochons. Donc ça, ça peut être intéressant. Vous voyez que les palettes de carottes et d'oignons vont aux palettes. Et puis, autrement, est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui... Donc, production d'engrais, pépinière, pupe de betterave, séchoir à herbe. Puis bon, là, il me faudra des vergers, il me faudrait du compost. Et pour ça, voilà. Alors, si on s'échappe juste encore un petit moment, je vais faire encore juste ça pour voir au niveau de la viande. C'est que c'est les palettes de cochon. Bon, c'est peut-être tout après de la vente, justement, ici ou ça. J'arrive pas à voir ce que c'est, ça. Un carrefour. C'est peut-être des sacs d'oignons et de carottes, ou je sais pas. J'ai aucune idée. Après, la viande. Est-ce que j'ai vu quelque part de la viande, non? Ouais, je sais pas. C'est peut-être dans ces sacs comme là, je sais pas ce que c'est. À voir. En tout cas, n'hésitez pas pour ceux qui jouent sur la map si vous avez découvert des trucs. Moi, je vais continuer à passer ça, à préparer des champs. Et je pense que la prochaine fois, on ira vendre un peu des cultures, voir si le prix est plus haut, ou s'acheter le semoir, voilà. Allez, n'hésitez pas, le pouce bleu qui fait plaisir. Moi, je vous souhaite un bon dimanche encore, un bon début de semaine pour ce début de semaine. On se retrouve soit lundi, soit mardi, je sais pas encore, vous verrez bien. Et puis, tout de bon, faites attention à vous, hein, si vous sortez avec ce virus. Faites attention. Allez, tout de bon et salut.